Bonjour. Alors voilà, printemps jour 4. Ça commence à se réchauffer, mais il pleut. Et on a un gros problème de nourriture. Alors, par contre, je vais pouvoir absolument choisir quelque chose, une histoire de fenêtre. Je vais en avoir qui remettent. Accrochons-nous. Comment on peut les faire vivre, les fenêtres? Non, c'est pas l'escalier que je veux, c'est la fenêtre. Fenêtre. Ouverte. Ah ouais? Et je peux la fermer? Ah oui! Bah, fallait le savoir, ça! Et pourquoi elles sont ouvertes de base aussi? C'est quand même un peu couillon. Hein? Fermez les fenêtres, les gens. Ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Oh là là. Je savais pas moi qu'on pouvait faire ça avec les fenêtres. Puis après, il faut les rouvrir en été. Enfin. En hiver, c'est décomposé. Bah ouais, c'est obligé de faire ça. Si je dois pouvoir y faire quelque chose. Normalement, on est bon. Alors, j'en étais où? La cuisine, c'est pas mal. Ça, ils sont en train de ranger petit à petit, hein. Ensuite, Marie est toujours vivante. Pourquoi? Ah, mais on n'a plus de nourriture. Faut faire quelque chose. On n'a plus de nourriture. Qui c'est qui va les chasser? Osric. Tendance, ouais, mais ce que j'aimerais, c'est que tu chasses. S'il te plaît. Est-ce que je peux lui obliger à aller chasser? Catastrophique. On est mal hein, quand même. Hein. On est très très mal. Parce qu'il n'y a plus de nourriture. Les animaux, ouais, c'est cool, les animaux ils ont à manger, mais nous, on va crever la dalle, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Honnêtement. Tu peux pas faire à manger. Je sais que t'es nul, mais. Ah, attends, il peut se glisser. Ah, il manque des ressources. Rien du tout. C'est catastrophique, quoi. Aïe, 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 aïe. Le lin, ouais, c'est gentil le lin. Pas... Ça va pas nous faire manger, hein. Je sais pas, ramasse des groseilles. Hop. Voilà, là aussi. À la limite, fais une tarte groseille, c'est bon les groseilles. Ah! Ouais, viens! Il y a la porte à bouffer, quoi. D'accord. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées, mais bon, on va faire avec, hein. Je dirais bien tuyau de bœuf, mais c'est le seul qu'on a. C'est la cata. Alors, comment il s'appelle notre nouveau? Oh, il a rien.
Jonathan. Hop. Non, c'est pas ça. M'ai trompée. Ok. Étoiles, là, le reste, ensuite, le calendrier. Donc, Jonathan, tu vas travailler, comme tout le monde, même si tu as le ventre vide. Alors, les animaux, on en est où? On a une vache, j'en ai plus, non? De toute façon, on ne peut pas en avoir deux. Qu'est-ce qui traîne dans la forêt? Une chèvre. Bon, j'ai pas compris pourquoi il y avait une chèvre comme ça. D'accord. Les recherches, pour l'instant, on va dire que c'est en stand-by. Chance de la région, 18-9, d'accord. Les animaux dorment déjà. D'accord, ils sont à l'étage. T'aurais pu le mettre ailleurs, non? Là où il fait moins froid. Ah, mais sinon, c'est ici qu'il fait bon, ça va. Alors, du coup, il fait combien là-dedans? 8 degrés dedans. C'est pas énorme, hein? J'aurais froid, 8 degrés. Il fait combien dans les champs? 9-4, c'est-à-dire que c'est moins pire. Mais il n'y a rien à manger. Faire comment? S'ils ont trouvé des trucs. Bon, ils ont trouvé des trucs à manger. Ah, mais c'est Marie, elle est partie ramasser les groseilles aussi. Cuisine, d'accord. Et recherche, ok. Ça ne nous aide aucune utilité pour l'instant. À la limite, on peut tuer une chèvre, hein. Ça fera toujours un peu de viande. C'est pas comme si on n'en avait pas. Qu'est-ce qu'on tue? Celui-là. Allez. Allons tuer la chèvre. Ça, hein, quand je dis groseille. Truc de record? D'arriver, il fait que dormir. Et les pommes, on en a quand? De nourriture, c'est bien ça. Sans ressources, pas sans ressources, ouais. Là, ils vont manger beaucoup de groseilles, je pense que. À moins que la chèvre soit déjà tuée.
chose, même si on dort. Comment ça se passe dans les réserves? Alors, la réserve, il n'y a plus grand chose hein, de toute façon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. C'est quelque chose là. Un jeune chêne, comment ça se fait? J'ai pas dit que ça allait là, ça. Ah ouais? Il est trompé, ça va en haut. Alors, j'adore l'état de terre là, c'est sympathique. Ouais. Et donc, ah, ils sont tous à la prière. Bon, ça suffit maintenant. Encore un déchet. Non, mais ce qui serait bien, c'est que j'ai une vache là qui arrive. Une dame vache. Pour faire des bébés. Pour faire des bébés vaches. Des poulets aussi, ça serait sympa. Mais bon, je vais pas m'en donner. Bon, Marie, qu'est-ce que tu fais? Marie, préparation de nourriture. Ah, elle fait du fromage. C'est une bonne idée, hein. Il fait meilleur là dans la maison. Par l'entrée qui reste froide. Au-dessus. Et la chambre, je l'ai même pas fermée. Ah, d'accord. Sinon, ouais, c'est bizarre du coup. C'est là le plus froid. Maintenant. Alors attends, on va fermer ça. Hein. Voilà. J'en ai du bois quand même. Oui, mais j'en ai. Soigner. Qui c'est qui s'est fait mal hein? Encore? Il est à peine d'arriver, il s'est déjà fait mal. Stock de nourriture, oui, je sais. Transport vers la réserve, transport vers la réserve. Ils sont tous en transport vers la réserve. Nourriture, 7. Bon, il y a déjà des trucs. Hein. C'est quoi ça? Un truc qui t'a suif. Je ne ferai rien avec le suif. Oui, j'avais pas vu, mais. La marmite, des pizzas qui pendent, sympa. C'est sympa. Ok.
quoi ici? Venez. Ah d'accord. Ouais, les affaires sont de mieux en mieux. Fermentation de jus de fruits. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Faire de l'alcool. Ah, j'ai cru que j'avais plus de vaches. Les villageois sont inactifs. Bah, ils peuvent trouver de l'activité. En même temps, c'est des choses à faire. Je sais pas, les chasser, non? Ah ben oui, mais c'est ça, j'ai oublié de leur dire de chasser tel ou tel animal. Alors, éviter de les chasser jeunes, hein. Les chasser pitrouilleux. Chasser la chèvre aussi. Bien voir comment ça se passe. Je vais tuer mes chèvres à moi. Bon allez, c'est bientôt l'heure du dodo. Vous allez y aller? Allez, petit déjeuner. Je sais pas ce qu'ils ont. Sûrement de la tarte aux groseilles. Ouais, oh, déjà plus rien de nourriture. Faut aller chasser les mecs. C'est pas l'heure de prier. Oh, l'autre il dort encore. Oh, il peut être heureux. Ah ben, y a plus rien à manger. Faut vraiment s'occuper de la chasse. Est-ce qu'il reste des groseilles quelque part? Ramasser. J'aimerais bien qu'ils aillent pas trop loin, mais je vois plus rien en fait. Oh là là, la bande de loups ici. Oh, ça craint. Ils sont juste à côté. Ils doivent avoir faim eux aussi. C'est quoi tout ça? Des petits os? Ouais, des petits os. Ok. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui sont partis chasser? Toujours pas. C'est dimanche? C'est dimanche qu'ils sont tous à rien foutre? Oh. Ouais, il n'y a rien à manger, il va falloir aller chasser, les gars. Ça fait Marie. D'accord. Il fait à manger au feu de camp. À la limite, ça, je le mets en pause. Ça. Bon, ben, de toute façon, les choux, on en a plus et on en aura plus. Un chasseur n'a pas d'armes à distance. Ben, si, je vous avais équipé, les gars. Que lui qui a une arme à distance, d'accord. Pourquoi il coupe? Qui lui a dit de couper? Ah oui, c'est le bois de culture. Ok, bon. Les groseilles, c'est loin de pousser, quoi. Floraison. La maturation. On peut rien planter d'autre, on a vraiment plus rien quoi. C'est grave, hein. Ah, il y a des champignons là. Ramasser les champignons. Petite omelette aux champignons. Ah, mais on n'a pas d'œufs, on n'a pas de poule. Mince! Des champignons. Ça nous fera.
Nourriture, 11. Ben voilà. C'est mieux. Bon, on va pas mourir de faim déjà. J'aurais bien voulu un marchand. On va avoir un marchand. Pas de moyen de le rendre comme ça. Ça va les piquettes. Marie. Elle a prié, ok. On la récolte. C'est Jonathan qui prie. Ah, il y a des petits champignons qui tombent de partout. Effectivement, il va falloir ramasser tout ça. Sous mon source, je pense que c'est Marie qui s'en occupe. La soupe aux champignons, à défaut de mettre. Bien, bien, bien. Voilà. Oh, mais ça descend vite. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Repas et cru. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de cuire, je pense. C'est pour ça que ça a été décompté. Il y a plein de graines. C'est les arbres. Les livres, hein, bah, les livres, je crois. Hop. Ok. Ah. Eh bien voilà. Bon, bah, je sais pas jusqu'à quand ils vont réussir à survivre. Je sais pas qui tiendrait aussi longtemps déjà. Donc on a fermé toutes les fenêtres de cette maison, hein, de l'auberge. Je pourrais peut-être fermer les fenêtres de ce bâtiment aussi, parce qu'ils dorment encore dedans. Hop. Alors ça c'est une porte. Alors que la saison prochaine, je crois qu'il faut que j'ouvre tout. Par défaut, laissez ouvert, fermé. Ok. Les portes aussi, elles ont ça. Ouais, je pensais pas qu'ils avaient poussé jusque-là quand même. Mais si. Ben voilà, c'est bien. Du coup, bah, je vous laisse pour cet épisode et je vous retrouve au suivant.